Revolution. Salut à tous, merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble deux petites applications très sympathiques qui sont sur notre Google Home. Ces applications vont permettre de nous amuser et voire même de prendre des petits congés bien sympathiques. Une application concerne les jeux et cette deuxième application concerne les vacances, ce qui peut être assez cool par rapport. Bienvenue sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si cela n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, à la partager avec vos amis, puisque sur ma chaîne, énormément de vidéos ont été faites sur les toutes nouvelles applications du Google Home. Et on part tout de suite sur la première application. On va tout de suite demander à notre Google Home. Alors, comme d'habitude, pour éviter que vous entendiez quoi que ce soit, j'enlèverai le mot-clé. Parlez avec Roule ton tour. Ok, je vous mets en contact avec Roule ton tour. Voici le premier test du jeu Roule ton tour, 100% fabriqué à Makanik en Abitibi par l'Institut Nathan Bouchard-Beauchesne. Le premier qui atteindra le nombre 10 en lançant son dé virtuel. Bon, pour la version test, nous allons jouer à deux joueurs. Voulez-vous commencer? Oui. C'est parfait, donnez-moi votre surnom, s'il vous plaît. Totof. Et vous, donnez-moi votre surnom, joueur numéro 2. Lulu. Nous allons maintenant commencer, Totof, commencez la partie en lançant votre dé, par exemple en disant, je lance mon dé. Je lance mon dé. Excellent. 6. Lulu à vous. Je lance mon dé. Formidable jeu, n'est-ce pas? Vous obtenez un 1. Totof, à vous maintenant. Je lance mon dé. N'est-ce pas? Vous obtenez un 5. Lulu, à vous maintenant. Bravo, nous avons notre champion, Totof. Encore une fois, félicitations. Voulez-vous rejouer ou changer les surnoms? Merci. Compris. Roule ton tour, un petit jeu sympathique que l'on peut jouer à deux et passer un peu son temps en rigolant. On passe tout de suite à la deuxième application qui va être dédiée aux vacances. Si vous aimez Royan, si vous aimez la Charente-Maritime, bienvenue, bienvenue au camping des Flots Bleus, dont je plaisante. On va tout de suite demander à parler avec Walmon Camping. Très bien, je vous mets en relation avec Walmon Camping. Situé à Saint-Sulpice de Royan, à 4 km de plusieurs plages de sable fin, le camping Walmon vous accueille pour vous faire passer d'agréables vacances, seul, en famille ou entre amis. Ce camping 3 étoiles est à 600 mètres de la ville de Royan, idéalement situé pour découvrir toute la beauté de la Charente-Maritime. Téléphone 05 46 39 15 81, réservation camping-walmon.fr. Une question, n'hésitez pas à dire le mot « menu » et si vous êtes actuellement en séjour dans notre camping, n'hésitez pas à dire le mot « privilège ». Menu. Bienvenue dans l'aide pour mieux communiquer, vous pouvez utiliser les requêtes suivantes. Contact, info, tarif, réservation, alentour, piscine, vacances, camping ou manifestation. Manifestation. Amateur de festivals, de rendez-vous sportifs, de concerts, d'expositions ou d'animations festives. La Charente-Maritime est la destination qu'il vous faut, une destination qui vit plus que jamais au rythme des événements qui s'y déroulent toute l'année. Vous l'aurez compris, en Charente-Maritime on ne s'ennuie jamais, chaque mois, découvrez les grands rendez-vous à ne pas manquer. Voici ce qui pourrait vous intéresser, dites, feu d'artifice, violon sur le sable au menu. Feu d'artifice. À Royan, le feu d'artifice du 15 août 2017 a remporté un très gros succès populaire avec plus de 100 000 spectateurs. Le spectacle pyrotechnique a enflammé le ciel de la Côte de Beauté pendant près d'une heure avec des tableaux inspirés de l'univers de Walt Disney. Mais pendant que j'y pense, connaissez-vous l'église Notre-Dame à Royan? Dites « Église Notre-Dame » et je vous emmène. Église Notre-Dame.
Ce Notre-Dame, édifice religieux qui se visite toute l'année, a été construite entre 1955 et 1958. Œuvre de l'architecte Guillaume Gillet, elle s'habille de l'architecture typique d'après-guerre, empreinte de renouveau. La structure porteuse du bâtiment montre des dimensions assez petites, preuve qu'elle s'inspire de la tradition gothique. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à la liker, à partager cette vidéo avec vos amis et surtout de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait, car beaucoup de vidéos arriveront sur le Google Home et je vous prépare une petite surprise sur un boîtier que l'on appelle TV Box. TV Box, donc ça va être un boîtier qui va transformer votre télé en Android et vous la mettre sur la chaîne. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour la prochaine. Salut à tous !